Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween dans cette série consacrée aux mythes, légendes et folklore terrifiants du monde francophone. Aujourd'hui, on part en Bretagne pour découvrir la légende du phare hanté de Thévenec. Je vais tenter de vous transporter en plein cœur de ce mythe, alors éteignez vos lumières, mettez-vous en condition et laissez-moi vous guider. Juillet 1909. Vous êtes là sur ce minuscule îlot, battu par les flots où le ciel se confond avec la mer. Le phare de Thévenec se dresse devant vous, une tour solitaire plantée dans la roche noire et menaçante. L'air est saturé d'humidité et vous sentez déjà l'odeur caractéristique d'algues et de sel se coller à votre peau et à vos vêtements. L'atmosphère est lourde, poisseuse, chaque respiration est un effort. Vous êtes venu pour quelques semaines seulement, passer des vacances avec votre mari, gardien du phare de Thévenec. Vous vouliez fuir Paris, son agitation incessante, ses colonnes de fumée noire qui assombrissent le ciel, et son odeur âcre de charbon brûlé qui ne quitte jamais les rues. Vous rêviez d'un moment de répit, d'une mer apaisante, pour vous et vos deux enfants, mais la réalité est tout autre. Le vacarme des vagues qui viennent s'écraser contre les rochers, le vent qui hurle comme une bête féroce, rien n'est apaisant là-dedans. Vous scrutez le lieu dans l'espoir de trouver un détail réconfortant, une forme de vie quelconque, mais il n'y a pas de couleur ici. Tout est gris, comme si l'îlot tout entier avait été englouti par un brouillard éternel. L'intérieur de la maison, accolé à la tour, n'offre que peu de répit. Dès que vous avez franchi le seuil, une odeur de moisissure vous a pris à la gorge. Les murs humides suintent par endroits, et leur surface est couverte de taches sombres, là où la peinture s'écaille. Le bois, gonflé par des années d'humidité, craque sous chacun de vos pas, et les murs, étroits, oppressants, amplifient le moindre son. Quant à votre mari, vous l'avez remarqué, il n'est plus le même. À votre arrivée, il vous a serré contre lui avec une force presque désespérée, mais depuis, il vous fuit. Il se mure dans un silence total, il semble entièrement consommé par le phare. Il parle seul, et vous l'avez surpris plusieurs fois scruter la mer, le regard fixe, comme si quelque chose s'y cachait. Ses mains tremblent, ses yeux sont cernés de noir. Vous ne reconnaissez plus l'homme que vous avez épousé. Les enfants aussi le sentent. Eux qui d'habitude le suivent partout avec enthousiasme, maintenant, ils l'évitent. Vous avez pensé que la situation allait s'améliorer, que votre mari allait peu à peu s'habituer à votre présence après des mois de solitude. Vous avez tenté d'égayer l'ambiance, de retrouver un semblant de normalité, mais c'est peine perdue. Les journées sont longues et les nuits sont pires. Le fracas constant des vagues contre la roche et le hurlement du vent qui fait trembler les fenêtres rendent le sommeil impossible. Le lit est trop froid, trop humide, même lorsque vous vous blottissez contre les enfants. La chaleur de leur corps n'apaise pas votre solitude. Vous avez le sentiment d'être prisonnière du phare, comme s'il ne comptait jamais vous laisser partir. Un après-midi, le malaise devient insoutenable. Les enfants font la sieste, votre mari est en haut de la tour, dans la salle de la lanterne. Vous êtes prise d'une intuition, ou peut-être d'un besoin irrépressible de comprendre ce qui ronge votre mari, alors vous décidez de fouiller les lieux. Vos pas vous mènent dans une petite pièce, un lieu exigu au rez-de-chaussée du phare, où des cartons poussiéreux s'entassent dans un coin. À l'intérieur, vous trouvez des journaux, des coupures jaunies, et au fur et à mesure que vous les parcourez, l'effroi vous envahit. Les mots qui s'étalent sous vos yeux vous glacent le sang. Malédiction, fantôme, démence. Tous les gardiens de ce phare maudit ont sombré dans la folie. Un ancien gardien, Henri Guesneck, parle même de voix qui l'appelait depuis les profondeurs. Dans votre esprit, tout s'emboîte. Le comportement de votre mari, ses absences, ses murmures. Et si c'était ça qui l'appelait? Et si le phare avait déjà pris possession de lui? Un léger craquement de bois derrière vous vous fait sursauter. Vous vous retournez lentement,
Il est là, dans l'encadrement de la porte. Son visage est caché par l'obscurité, mais vous percevez une lueur presque animale dans ses yeux. Il vous observe comme un prédateur, comme si vous étiez une étrangère, une menace à éliminer. Les jours qui suivent sont un supplice. Vous marchez sur des œufs, vous évitez son regard, mais son comportement empire. Il ne dort plus. Il déambule la nuit, les yeux écarquillés, marmonnant des paroles incohérentes comme un somnambule. Parfois, vous l'entendez pleurer doucement dans le noir. Les tempêtes sont de plus en plus fréquentes, et les bourrasques constantes semblent chercher à balayer tout sur leur passage. C'est comme si l'île tout entière était en colère, et qu'elle envoyait des avertissements pour vous rappeler que vous êtes des intrus, ici. Un soir, alors que vous tentez de vous endormir, un bruit sec résonne contre la porte. C'est lui. Vous tendez l'oreille, terrifié, sans oser bouger, puis sa voix, basse et effrayante, filtre à travers le bois. « Il y a quelqu'un là-dehors. Je les ai vus. Ils m'appellent. » Votre cœur se serre. Vous savez qu'il n'y a rien dehors, que ce sont des délires. Vous vous recroquevillez sous les couvertures avec les enfants, en espérant qu'ils s'éloignent. Mais ils restent là, derrière la porte, à murmurer toute la nuit. Vous vous levez le lendemain, l'épisode de la veille encore en tête. Vous êtes dans la cuisine, vos mains crispées autour d'une tasse de thé pour tenter de vous réchauffer. Les enfants jouent silencieusement à côté, mais leurs visages sont tendus. Ils vous jettent des regards furtifs, et vous tentez de les rassurer en souriant, mais le cœur n'y est pas. Soudain, la porte claque violemment contre le mur. Vous sursautez, et votre tasse de thé manque de vous glisser des mains. Votre mari se tient dans l'embrasure de la porte, mais c'est plus lui. Il a le regard fou. D'une voix rauque, il vous ordonne de le suivre. Vos enfants se figent, pétrifiés de terreur. Vous essayez de le raisonner, mais il ne vous écoute plus. Il vous saisit brutalement tous les trois et vous force à sortir dans le brouillard. Le sel vous brûle les yeux, vous peinez à distinguer la fin de la roche noire et le début de l'étendue de plomb qui vous entoure. Votre mari vous pousse vers le bord. Vous tentez de lutter, mais vos pieds glissent sur les rochers humides. Vos mains agrippent désespérément les vêtements de vos enfants qui hurlent de terreur. En contrebas, la mer rugit, prête à vous engloutir. Vous hurlez. « Laurentin, je t'en supplie !» Mais il ne vous entend pas. Il est comme possédé. Dans la lutte, son pied dérape soudain. Le temps semble ralentir. Son corps vacille, ses bras battent désespérément l'air. Puis il bascule. Vous le voyez chuter et son cri de surprise se mêle au grondement des vagues. Il s'écrase contre les rochers dans un affreux craquement. Vous vous précipitez au bord de la falaise. Vous le distinguez à peine, son corps fracassé contre les rochers. Une flaque sombre s'étend autour de sa tête et vient se mélanger à l'eau, qui tente déjà de l'attirer vers les profondeurs. Vous restez là, hébété, vos enfants tremblant contre vous. Le phare continue de tourner, indifférent face à l'horreur devant lui. À chacune de ses rotations, il émet une lueur aveuglante qui semble vous accuser. En bas, le corps de votre mari a déjà disparu, avalé par l'île maudite et la mer furieuse, comme s'il n'avait jamais existé. Bon, après ce charmant petit récit, je vais pouvoir vous parler de l'histoire du phare, et vous allez voir que j'ai vraiment pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit pour ce récit. Le phare de Thévenec est situé au large des côtes du Finistère, en Bretagne. Il a été construit en 1875 pour sécuriser la navigation sur une des zones maritimes les plus dangereuses de France, le passage du Raz de Sein. Oui, oui. Et en effet, c'est un lieu où il y a eu énormément de naufrages, à tel point qu'on dit qu'il est hanté par Ankou, le faucheur d'âmes dans le folklore breton. Vous comprenez donc la nécessité de construire un phare dans ce lieu que les marins appellent même la baie des trépassés. La construction commence en 1869 et le phare de Thévenec va rapidement se distinguer des autres pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une maison phare, c'est-à-dire une habitation pour le gardien et sa famille, accolée à une tour, unique en son genre, c'est la seule à avoir été construite en pleine mer. Le souci, c'est que ce type de construction n'est pas du tout adapté à une telle exposition aux éléments, et la maison devient vite invivable, notamment à cause de la moisissure et du froid causé par l'humidité. Le phare gagne donc très vite la réputation d'être l'un des phares les plus difficiles à vivre en France. Ensuite, et ça je l'ai découvert en faisant d'anciennes recherches, il existe en fait trois catégories de phares, et pour chacune de ces catégories, les gardiens ont une expression bien spécifique. Il y a les phares de haute mer, surnommés enfer, et pour lesquels il faut trois hommes sur place. Puis il y a les phares construits au niveau du rivage, appelés paradis, où il n'y a qu'un gardien à l'année.
Et Tevennec, c'est un petit peu entre les deux. Il est situé à 5 km de la côte, donc trop près pour être l'enfer, mais un peu trop loin pour être le paradis. Et tout naturellement, on va donc le qualifier de purgatoire, un nom finalement assez révélateur de ce qui va se passer sur l'îlot. Et ce phare, il va rapidement avoir la réputation d'être maudit. Alors vous allez me dire que les histoires de phares hantés, c'est assez courant, et c'est vrai. Mais là, ce sont de véritables expériences troublantes, vécues par les nombreux gardiens qui ont alimenté cette légende. En seulement 35 ans, plus de 23 gardiens se sont succédés à Tevennec, et beaucoup d'entre eux ne sont restés que quelques mois avant de demander leur transfert ou de sombrer dans la folie. Alors oui, la vie au phare était d'une extrême solitude, les gardiens sont totalement coupés du monde et à la merci des violentes tempêtes qui s'abattent régulièrement sur l'îlot. Mais là, on parle pas simplement de conditions difficiles ou de météo changeante, mais plutôt de phénomènes inexplicables et terrifiants. Le tout premier gardien, un certain Henri Guesneck, aurait été témoin d'étranges événements. Selon ses dires, il entendait des voix mystérieuses dans le vent, comme des plaintes ou des appels à l'aide, bien qu'il soit impossible de trouver l'origine de ces sons. Jean-Pierre Quéros, un autre gardien, aurait prétendu que le phare est hanté par des âmes en peine. Sa femme, qui l'avait rejoint sur l'îlot, serait même tombée gravement malade là-bas. Mais le récit le plus célèbre, celui qui a véritablement alimenté la légende, c'est celui de Michel Lebras, qui aurait sombré dans la folie à cause de ces mystérieux bruits. On dit qu'il aurait été retrouvé dans un état délirant, incapable de distinguer la réalité de ses visions. Et puis il y a aussi eu des accidents tragiques, un gardien qui tombe sur son propre couteau et qui se sectionne l'artère fémorale, un bébé qui succombe à la fièvre, un proche emporté par une vague. Bref, la réputation du lieu est telle qu'on demande même à un curé de venir l'exorciser. En vain, la malédiction se poursuit toujours. Les autorités maritimes ont évidemment tenté d'expliquer ces phénomènes, la solitude, l'isolement prolongé, les conditions de vie, tout ça ce sont des facteurs qui fragilisent énormément la santé mentale des gardiens. Quant aux accidents, ils sont tout simplement dus à la dangerosité de l'endroit. Pourtant les rumeurs persistent, certains locaux racontent que Tevennec serait construit sur un ancien cimetière ou encore un lieu de rite païen, ce qui expliquerait pourquoi tant de gardiens auraient été frappés par le malheur. D'autres croient aussi que le phare est en fait un passage vers l'au-delà, d'où son surnom de porte de l'enfer. Et finalement en 1910, le phare devient le premier phare automatisé de France. Parce que oui, après plus de 23 gardiens en 35 ans, les autorités maritimes ont abandonné l'idée de maintenir un gardien sur place. Plus récemment, un plongeur a découvert une sorte de siphon dans la roche qui produit un son assez inquiétant quand la marée y pénètre. C'est donc tout à fait possible que les râles que pensaient entendre les gardiens aient en fait été causés par ça. Aujourd'hui, le phare attire plutôt des passionnés de la mer. En 2016, un certain Marc Pointu a même passé 2 mois sur l'îlot dans des conditions extrêmement difficiles pour alerter sur l'urgence de restaurer le phare qui fait partie du patrimoine culturel du Finistère. D'importantes rénovations ont d'ailleurs débuté en 2023 et pour le moment, on ne rapporte aucun phénomène étrange. Voilà, on arrive à la fin de l'histoire du jour. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et comme d'hab, qu'elle a pu un peu stimuler votre imagination. Je suis sûre qu'il y a plein de Bretons qui me regardent et du coup j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissiez la légende du phare de Tevennec? Les autres, n'hésitez pas à partager d'autres histoires de phare hanté dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose qui me fascine et d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur le phare d'Ellenmore. Je vous mets le lien ici en barre d'infos si jamais vous voulez enchaîner et rester dans la même thématique. Nous, on se retrouve très vite pour partir à la découverte d'une nouvelle région à travers une autre légende effrayante. Je vous dis à tout bientôt et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.